Oh, je suis sur la glace, ça accroche plus. En fait, je suis pas un freestyler, je suis un racer. Mais là, je viens de tester le mode Race It. Donc Race It, c'est une course, donc on part tous du même endroit et il faut arriver le plus vite possible en bas. Et il y a une petite subtilité, c'est que quand on fait des figures, on a la possibilité d'avoir du boost, c'est-à-dire d'aller plus vite. Donc il faut trouver la bonne balance entre faire des figures et pas trop en faire pour pas justement prendre ce risque de tomber. Et là, on va perdre beaucoup de temps. C'est assez rigolo du coup d'avoir ce mix un peu entre figure et course. J'aurais bien aimé imaginer une compétition exactement comme ça, ou dans une course où le but c'est d'aller le premier en bas. Et il faut faire des figures un petit peu avec des juges qui permettent, même si on arrive deuxième, si on a fait des meilleures figures, ça va nous permettre de passer en tête. Et là, c'est un petit peu ça, quoi. Les figures nous permettent d'aller plus vite. Une piste de border cross, c'est pas très large. Alors que là, on est sur une montagne entière, donc on peut prendre des itinéraires différents. Je pense qu'en jouant beaucoup et en connaissant plus la montagne et la piste sur laquelle on est, je pense qu'on peut trouver des endroits où on peut sneaker un petit peu, passer devant les autres. Alors qu'en border cross, on a tous vraiment la même piste et on doit tous passer par le même endroit. Là, ce qui est bien, c'est que on peut aller à droite, à gauche et changer d'endroit et voir par quel endroit ça se fait le mieux pour arriver en bas le premier, quoi. Du coup, là, de gagner cette course-là direct, je me demande si je vais pas changer de discipline et revenir au slalom ou au border cross. J'ai loupé ma carrière. Pourtant, j'en ai fait du slalom et de la course, du border cross quand j'étais plus jeune. Mais ma carrure a fait que j'étais pas fait pour ça. Sauf aux jeux vidéo.